Direct spécial gourmandise, direct de la plage du village pour parler de produits de la montagne, de produits régionaux, des produits qui sont issus de la dernière conserverie artisanale de montagne. Avec moi pour en parler, le patron Philippe Monnet. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour à tous. On est en direct ici, on est très heureux de vous avoir Philippe parce que vous êtes le patron de la toute dernière conserverie, il faut bien le préciser, de montagne et vous faites des produits de la montagne, artisanaux et produits en Pays de Savoie. C'est produit où, Philippe? C'est produit à Essert-Romans, entre Léger et Morzine, au On va cœur bien de la préciser, Haute-Savoie. c'est au cœur de la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Pour ceux qui nous regardent, vous êtes déjà très nombreux à nous regarder à cette heure-là. Bon appétit si vous nous regardez. Restez avec nous. Cet homme est un gourmand, Philippe Monnet. Vous avez racheté la société et vous produisez combien de produits, justement, dans cette conserverie? Alors, on produit à peu près une cinquantaine de plats qui sont organisés autour de trois types de plats. Tout ce qui va être rillettes et terrines locales. Tout ce qui va être velouté, soupe artisanale et traditionnelle. Et puis tout ce qui est plat cuisiné du patrimoine culinaire des Pays de Savoie. Alors, on nous demande où ça se trouve, ça se trouve. Alors là, pour l'instant, reste avec nous, parce que regardez les bonnes choses qui vont arriver, Philippe. Ça se trouve, on précise bien, à côté des Gers, c'est en Haute-Savoie, hein, c'est dans le Chablais, on précise bien où ça se trouve, et c'est Romans. Mais les produits, Philippe, on va le préciser, qu'on montre ici, c'est la seule conserverie artisanale qui fabrique tout sur place et qui vend sur place. Vous avez combien de points de vente en Pays de Savoie avant de montrer les belles choses? Regardez, là, il y a de la crème de potiron aux châtaignes, on en parle dans un instant. Alors, on a plus de 600 points de vente sur les Pays de Savoie qui se répartissent entre des épiceries fines, chez vous de boulanger, des boucheries, les magasins de produits régionaux, mais également dans certaines grandes surfaces comme les Super U, Cora Amphion, dans le Chablais notamment, Annecy, Chambéry. Donc voilà, on est un peu partout sur les Pays de Savoie. Les délices d'alpage, retenez le nom, les délices d'alpage. Philippe Monnet avec nous dans cette émission exclusive en direct. Regardez, alors les produits, on va les passer en revue ici. Alors, vous avez d'abord comme produit, fabrication artisanale, crème de potiron aux châtaignes. C'est vous qui faites ça, Philippe? Oui, tout à fait. Enfin, nous sommes une équipe de 4 personnes, hein, 5 en tout, pour réaliser à la main toutes ces bonnes recettes. Et les potimarrons, notamment, ou les potirons, sont issus des Pays de Savoie. On a 14 maraîchers partenaires depuis plus de 15 ans qui travaillent pour nous des produits de qualité sur les Pays de Savoie. La crème de potiron aux châtaignes. Il y a Harold qui nous dit: je connais les produits, c'est bon. Voilà ce qu'il nous dit. Buongiorno, ça vient d'Italie. Bonjour de Belgique aussi. Alors on continue. Vous êtes à table peut-être. Alors vous êtes à table. On va passer ensuite. Ouais, Philippe Monnet, regardez. Les délices d'alpage, c'est un farcement savoyard fabriqué en Pays de Savoie, vendu en Pays de Savoie. Ça donne faim, ce farcement. C'est vous qui le faites aussi. Ah oui, tout est fait par nous, tout est fabriqué ici. Le farcement, pour nous, c'est notre produit phare. C'est vraiment le produit du patrimoine culinaire des Pays de Savoie. Il a été élaboré avec des personnes âgées du territoire qui étaient garantes de ces recettes. C'est chemisé. On chemise le lard artisanalement sur le pot. Ensuite, on va préparer une farce avec du raisin, des pruneaux. Voilà, et on va refermer ça avec amour, le cuire à basse température. Et après, vous pourrez le servir soit à l'apéritif tiède ou froid, soit au bain-marie pour un bon repas partagé Qui entre nous amis. fait saliver Philippe Monnet? On rappelle le direct avec la dernière conserverie artisanale de montagne. Nous sommes au Pays de Savoie pour l'enregistrement. Regardez cet homme, c'est un gourmand. Il distribue dans 600 commerce et la place du village, eh bien, sera avec lui parce que les produits de qualité, les produits de proximité, ça nous va bien. Très bon, avec des marrons, ça donne un très bon goût, nous dit Pat. Bonjour du 66, coucou, on nous regarde un peu partout, on salue Marianne, on sait qu'elle est gourmande aussi. On peut acheter ses produits où en Belgique, nous demande Thierry. Ah, alors ça fait 4 mois hein, que la société se tourne vers les produits à l'étranger. Donc nous sommes à la recherche de partenaires, justement pour pouvoir les distribuer ailleurs et faire rayonner nos beaux pays de Savoie à l'étranger. Donc si vous avez des idées de bouchers, de traiteurs ou de partenaires sur la Belgique, ben, je serais très heureux de prendre contact avec vous pour pouvoir les distribuer auprès de chez vous. Dans l'attente, très prochainement, vous pourrez les commander directement sur notre site de e-commerce, un petit site très simple où vous pourrez faire vos courses à commandé justement par e-commerce. Alors on continue. Il est l'heure du repas, Philippe Monnet. Regardez les belles choses. Alors, Duo aux lentilles. Le Duo, c'est la saucisse savoyarde. On rappelle qu'on est en Pays de Savoie. Et on rappelle aussi que ce sont d'excellents produits fabriqués au pays, on va le dire. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure sur les légumes,
Nous avons des partenaires éleveurs des pays de Savoie, notamment l'entreprise Gabriel Butet, hein, que je salue au passage, qui nous prépare la viande et que l'on peut remettre dans nos plats. Viande qui est labellisée Port de Montagne des Alpes. Hein, c'est le tout premier à avoir eu ce label sur les Alpes. Voilà, donc pareil, on ne pourrait pas nous cuisiner des bons produits si on n'avait pas des producteurs en amont qui font un excellent travail. Ah, voilà. Tu parles italien, Philippe, ou pas? Mais en Qataria, c'était de l'espagnol. Hein. Ça beurre, ça doit être de bonnes choses. Hein. Ouais. Les bons produits du terroir. Alors on continue, il est l'heure du repas. On est avec Philippe Monnet, les délices d'Alpage. Ce garçon, il a la dernière conserverie artisanale de montagne. Ce garçon est un gourmand et il ne veut que des produits des pays de Savoie qui seront vendus bientôt sur e-commerce, qui sont vendus dans 600 points de vente actuellement. Vous êtes comme un des derniers des Mohicans parce que vous vous battez pour des produits de proximité, vous vous battez pour des produits de qualité, Philippe. Oui, on se bat au quotidien pour ça, mais on a la chance de se battre au quotidien pour des valeurs de la simplicité, de l'authenticité. Créer de l'émotion lorsque on a des témoignages de personnes qui dégustent nos produits, voilà, et qui reviennent et qui sont fidèles à nos produits. Donc oui, effectivement, dernier des Mohicans, j'espère que ça finira mieux que les Mohicans. Et on a besoin de vous pour ça, pour pouvoir étendre. On a vraiment de quoi être fiers de nos produits et notre patrimoine culinaire. Alors c'est ce que nous disent Hélène, vive la France. Culte Insolite nous dit vive la France aussi. Bonjour d'Argentine. Et puis il y a Christiane qui nous dit que ses nièces entendent sa voix, ses nièces pourront goûter tous ces produits. Alors on continue. Écoutez, on a une coupe bûcheronne ici. Philippe Monnet, c'est du savoyard, parce que tout ce qui est coupe bûcheronne, on va dire soupe savoyarde, tout ça c'est savoyard, c'est de chez nous. Hein. Ah bah complètement. Hein. Là on a repris ce qu'on appelait la soupe d'alpage que les anciens cuisinaient pendant 4, 5, 6 heures, voire une nuit complète sur le fourneau à basse température. Donc dans lequel on va retrouver du lard fumé des Pays de Savoie, des dio et un mélange de soupe, enfin de légumes d'hiver pour pouvoir les soirs d'hiver l'ouvrir et la profiter, la partager en famille. La place du village avec Philippe Bonnet, le délice des alpages après la soupe. La coupe bûcheronne, la soupe d'ortie. Nos grands-mères les faisaient, Philippe Monnet. Vous les faites aussi, ces soupes d'ortie, vous? Oui, là aussi, hein, c'est vraiment, ça a été élaboré avec un certain nombre de chefs et de personnes du territoire. La soupe d'ortie, pour nous, c'est vraiment un top produit. En plus, c'est très, très bon pour la santé. Hein, l'ortie a d'excellentes propriétés. Donc voilà, pareil, c'est un plat très festif, naturel. Pour ceux qui n'aiment pas forcément la viande, ils peuvent être servis. Voilà, donc, alors il y a Jeanne Lorrain qui habite en Bretagne, nous dit ça se trouve en épicerie fine, point d'interrogation, juste en Savoie, point d'interrogation. Philippe Monnet, réponse. Ouais, donc comme je l'indiquais, ça se trouve beaucoup en Haute-Savoie, mais on a un certain nombre de partenaires. Nous sommes à Quimper, nous sommes à Nantes également, dans une épicerie fine au centre-ville. Mais ça, je pourrais, si vous le souhaitez, vous communiquer les noms selon les zones géographiques. On donnera les références, les délices d'alpage. On continue, on a faim. Alors, les dio au vin blanc, on l'a déjà dit, je crois, Philippe, ça. Hein oui, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Alors là, on va continuer, farcement savoyard. Oh là là, Philippe. Terrine au Beaufort. Alors ça, rien que de dire le nom, ça fait saliver. Ah oui, bah alors les terrines, voilà, c'est toute une histoire. On se sert auprès des coopératives locales. Donc on a une dizaine de producteurs de fromages locaux sur les Pays de Savoie avec lesquels on travaille. Hélène nous demande, avez-vous un site internet, Philippe Monnet, site ou pas site? Alors, site internet va arriver prochainement. On pourra vous expliquer tout ça et vous pourrez également avoir des informations sur les produits et pouvoir les commander directement. On va dire début décembre, vous aurez ce site internet. On vous communiquera l'adresse exacte très prochainement. Mais vous pouvez déjà nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Nous avons une page Facebook que nous avons ouverte ce matin. On mettra la page aussi. Alors, on rappelle qu'on est avec Philippe Monnet, le dernier patron de la dernière conserverie artisanale de montagne. Ouh là là, il est midi. Bon appétit si vous êtes à table. Merci de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux à nous regarder en direct ce matin, ou ce midi plutôt. Terrine de campagne, alors j'allais dire terrine de montagne, hein, c'est presque la même chose. Hein. Oui, exactement. Toujours la même philosophie, des produits locaux, simples, de qualité. Peut-être préciser que nos terrines n'ont aucun conservateur. On est vraiment sur ce qu'on faisait au début du siècle. Je pense que ça, c'est important. C'est important, Philippe Monnet. À côté de nous, la terrine aux myrtilles. Ça existe une terrine? C'est vous qui l'avez inventée? Nos grands-mères les faisaient déjà ou pas? Oui, ben en fait, hein, à l'époque, dans nos montagnes, on prenait les produits qui poussaient localement. Donc, on mélangeait la viande au fromage. On mélangeait aussi la viande avec
avec les myrtilles sauvages. Donc là, on travaille avec des cueilleurs, comme pour l'ail des ours, les myrtilles, qui, sur les pays de Savoie, nous proposent et nous vendent leur production. Voilà. Philippe Monnet avec nous. Philippe Monnet, le patron de la dernière conserverie artisanale de montagne. Les délices d'alpage situées entre Léger et Morzine, en plein cœur du Chablais, en pleine montagne. Tous les produits viennent des pays de Savoie. On rappelle qu'il y aura bientôt un site e-commerce, il y aura un site internet, tout ça. Nous, la Place du Village, on aime les gens vrais. Vous en êtes un, Philippe Monnet. On va montrer quelque chose qui va vous plaire, amis téléspectateurs. La terrine aux jeunes épis. Ça existe aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Miam, 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 nous dit Jean-Pierre. Hein. Coucou, la Place du Village. Quelle jolie table. Nous dit Mireille. On embrasse Mireille du côté de Filinge. On lui fait un gros bisou. Alors là aussi, enfin, je suis désolé, je parle beaucoup de partenariats avec les personnes qui produisent. Hein. Nos produits sont un support. On travaille avec la distillerie ancestrale Meunier, en Chartreuse, hein, donc, qui nous fait nos alcools. Donc là encore, hein, toute une belle histoire, avec des partenariats de longue date, avec des gens qui sont passionnés et qui font du Genépi, qui font aussi notre gentiane. Hein, c'est important, écoutez bien ce qu'il fait, la gentiane aussi. Voilà, tous les produits ne sont pas là. On a aussi une terrine à la gentiane qui est vraiment très très bonne. Ouais. Voilà. Alors Mireille lui dit de grand Philippe à l'honneur. Oui, il est plus grand que moi encore, Philippe Monnet. Et alors il y a François Le Prince, vous connaissez aussi François Le Prince. Le Prince, hein, c'est probablement les producteurs de pommes, de tout ça, parce qu'on a les pommes, les poires. C'est Thomas Le Prince, donc c'est peut-être un cousin, on verra bien. Et puis alors, on va dire une chose aussi, Philippe Monnet. Au reblochon, est-ce que ça existe une... Vanessa nous dit, de Calvi, est-ce que ça existe une terrine au reblochon? Philippe Monnet, vous y avez pensé? Nous y avons pensé. Nous sommes en pleine étude justement du développement de ces nouvelles terrines à base de fromage. On a aujourd'hui, à base de reblochon, un velouté de thym et un velouté au reblochon en légumes, céleri thym et courgette reblochon qui fonctionne très bien. Et normalement, au printemps, le reblochon sera l'honneur dans le cadre d'une terrine 180 grammes. Arrêtez, Philippe, arrêtez, il nous donne faim, Philippe Monnet, nous donne faim. Alors, dans un instant, on va goûter, Philippe, on goûtera dans un instant. Juste avant, Philippe Monnet, regardez ici, ça ne s'invente pas, des rillettes pur porc à l'ail des ours. Goûtez cette terrine au genépi, c'est excellent. Ail des ours et rillettes pur porc, Philippe Monnet, ça donne faim, ça aussi, hein. Ah oui, là aussi, là, on est vraiment dans le terroir, on est dans la nature, on se balade sous les sous-bois. Au printemps, on a cette petite odeur délicate d'ail naturel. Donc là, pareil, on travaille avec des gens passionnés qui ramassent cette ail des ours. Et on a quelque chose de très délicat. Elles sont faites et moulées à la cuillère à soupe, de façon à respecter la viande et garder de la fibre et de la mâche. Et ce mélange avec l'ail des ours, c'est juste succulent, c'est fin et puissant à la fois. Et Philippe, je vais vous lire quelques commentaires. Regardez bien, ça c'est de la terrine. Regardez bien, Philippe, si ça vous plaît. Regardez, on est en direct. Alors Vanessa nous dit, c'est beau les partenariats, il faut continuer. Chaîne de cœur, partage, tradition. Ouais. Léo nous dit, le velouté, je veux absolument. C'est 100 fois meilleur quand c'est fait par un artisan. Pat nous dit, j'ai les grenouilles dans l'estomac. Vous connaissez l'expression, les grenouilles dans l'estomac? Je partage. Coucou du Jura, bonjour, je suis une fan de terrine, nous dit Fatih. Merci pour les partages, le reblochon, j'en ai l'eau à la bouche. J'ai goûté cette terrine, nous dit de Mireille au Genépi. Effectivement, Louis Ours qui nous regarde, on parle de l'ail des ours. Tiens, Philippe, tu as le goûté, bon, l'ail des ours, c'est ça, hein? Oui, on va le partager. On va le partager. C'est encore mieux, on le partage. Et alors, on va quand même montrer. Non, mais je tiens le micro et la caméra. Regardez, alors on rappelle, ça s'appelle les délices d'alpage, Philippe Monnet qui est en train de partager. Ben Muriel, viens avec nous peut-être pour déguster. Ouais. On est ici pour l'enregistrement à Megève, pour le préciser, à côté de Megève, pour le préciser. On rappelle, cet homme, on l'aime beaucoup dans la Place du Village. Regardez-le. Philippe Monnet, d'abord il fait 1m85, il est grand, il est originaire de la Vallée de l'Arve, Philippe Monnet, hein, c'est ça, à Marigné exactement, entre Marigné et Aïse, voilà. D'ailleurs. Regardez cet homme, il a un peu un visage de nounours, il a la barbe justement, on peut dire que vous aimez les vraies choses. Tout à l'heure on parlait de philosophie, Philippe Monnet, la philosophie, votre philosophie à vous, c'est justement de faire ces choses avec cet état d'esprit, c'est important, hein. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, faire les choses avec le cœur, il n'y a rien de mieux. C'est ce qui donne de l'émotion, c'est ce qui permet de partager. Voilà, donc j'attends ça avec impatience. Alors Muriel, qu'on voit régulièrement dans les pastilles, Muriel, c'est bon ou pas bon l'ail des ours? C'est délicieux. Là, on est en train de goûter une rillette à l'ail des ours, donc des délices d'alpage, qui est juste posée sur une bonne tranche de pain. Faite, alors je ne vais pas dire le nom, mais par un artisan aussi. Un bon artisan de Megève, un petit peu tiédi comme ça, et on boit un petit vin blanc de chez nous. Hein, c'est ça.
voilà, de pas très très loin d'ici. Et voilà. Bah, sur le môle. Voilà, sur le môle, avec l'ail des ours. Alors, on nous demande plein de questions. Il faut ramener un pot pour la mini-poyac, ce sera fait. Sur Facebook, et le nom de la page, s'il vous plaît, Philippe Bonnet, le nom de la page, c'est Denis Alpage. Hein. C'est ça, voilà. Tout simplement. Allez-y, on le mettra d'ailleurs. Regardez. On est sous le charme. Pourquoi ? Parce que la place du village, Muriel, on le sait, nous, on veut des vrais produits, on veut des vrais de vrais. Philippe Monnet, les délices d'Alpage, vous confirmez, Muriel, c'est d'un vrai. Et respectueux de l'environnement, oui. Que ce soit dans les produits utilisés et aussi les emballages, etc. Ça, je crois que aussi, je ne sais pas si tu en as parlé, mais c'est non, aussi un aspect important. Et en filière courte, et voilà. Et voilà. Maintenant, on ne veut manger que de ça. Que voilà. De ça, vous avez compris. Alors, c'est un peu le but de la place du village, montrer les gens qui font les belles choses. Pat Pat nous dit la terrine sur pain grillé, ça doit être génial aussi. Ça, c'est du vrai de vrai, nous dit Jean-Sébastien Doré. Sarah nous dit Aïs, peut-être parce que vous habitez Aïs, Philippe, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, c'est pour ça. Aïs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? Car on arrive, nous dit Jean-Pierre. Arrivez, Jean-Pierre, regardez. On vous attend. Le coup de cœur, vous voyez, à la place du village, c'est mettre en valeur des gens qui le méritent. On a aussi des valeurs, Philippe, nous, vous le savez peut-être. On veut de l'authentique, on veut du vrai. On en a un petit peu marre de tout ce monde qui part un petit peu en dérive. Est-ce qu'il y a une boutique, nous dit Nicolas? Est-ce qu'on peut trouver dans une boutique? C'est important, on n'a pas dit ça. Notre boutique, non. Par contre, on l'aura en ligne. Par contre, vous pouvez venir nous visiter à Essert Roman. Hein, vous y trouverez nos produits. Et on sera tout heureux de vous les faire déguster et de vous les proposer. Combien de temps peut-on conserver ces produits artisanaux? Joël Bonaventure nous pose la question. Alors, on peut les conserver 2 ans. Parce qu'on a des cycles sur de la basse température et des cycles de stérilisation qui nous permettent de garder toutes les vitamines, tous les nutriments et la qualité des produits, et en même temps d'avoir une durée de vie de 2 ans. C'est important. Vanessa nous demande où on peut trouver ces terrines, tous ces produits. On rappelle qu'on peut les trouver dans les à peu près 600 points de vente en Pays de Savoie. Donc vous allez dans les grandes surfaces, on les trouve dans les grandes surfaces aussi? C'est ça, dans les grandes surfaces. Les délices d'Alpage, allez le voir, parce que quand vous aurez vu maintenant, Philippe, quand vous aurez vu ces produits et la façon dont il en parle, n'hésitez pas, il faut les découvrir dans 600 points de vente. On rappelle que Serre Roman, ça se trouve, on pose la question, entre Morzine et Léger, donc on est au cœur du Chablis, au cœur de la montagne. On peut les trouver où encore ces produits? On peut les trouver dans les épiceries fines, un peu partout sur les pays de Savoie, l'Isère également. Lyon maintenant, là, on a de plus en plus de partenaires sur Lyon. Paris bientôt, non? Paris, tout à fait. Ouais. Paris, Nantes, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, en Bretagne. Voilà, depuis qu'on communique, on a de plus en plus d'adeptes qui souhaitent les avoir en proximité. Et on est aussi preneurs de vos idées pour pouvoir les distribuer au plus proche de chacun. Voilà. N'hésitez pas, on mettra les contacts là-dessus. On peut voir les autres saveurs. Alors effectivement, Vanessa est très gourmande, elle est comme nous, Vanessa. On nous dit merci, tous les bons produits du terroir, tout ce que j'aime. Alors, on va rappeler quand même qu'on a une gamme de... Combien de produits au total vous proposez? Combien de produits, Philippe Monnet? On rappelle le dernier patron de la dernière conserverie artisanale de montagne. Il est avec nous ce matin, exclusif dans la place du village. Alors, 57 produits. Vous parliez des terrines. Aujourd'hui, on peut décliner sur 12 recettes les terrines. Voilà, ça va de la myrtille sauvage, on l'a évoqué, à l'abondance, au beaufort, au génépi, nature, mais également au piment d'Espelette. Hein. On a beaucoup de demandes de piment d'Espelette, donc on a dérogé à notre circuit court pour pouvoir le proposer. Voilà, donc une grande déclinaison de voilà, la chanterelle aussi, au cèpe. On a la chance d'avoir dans nos montagnes de très beaux champignons, donc voilà, on les transforme voilà. Aussi. Il nous donne faim, Philippe Monnet. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Attendez, il y a beaucoup de questions. Regardez ces bons produits, il est l'heure de manger. Est-ce possible de visiter les ateliers? Nous demande Jean-Sébastien Doré. Ah, bien sûr, hein, vous êtes les bienvenus. Hein, vous trouverez sur les réseaux sociaux, on vous communiquera les coordonnées à fin du direct. Mais oui. Bien sûr, d'ailleurs, j'ai hâte de vous accueillir sur la légumerie à Essert. On mettra un numéro de téléphone. Attendez, ça va peut-être sonner derrière. Annemasse-sous-Régnier, est-ce qu'on en trouve à Annemasse-sous-Régnier? Oui, sur Annemasse-sous-Régnier, hein, vous les retrouvez sur Annemasse, notamment à Ville-la-Grand, au Maître Boucher. Vous les retrouvez également à Métro, hein, pour les professionnels, parce qu'on vend aussi aux professionnels qui veulent les proposer à leurs clients. Et puis, vous les trouvez aussi à Carrefour. Alors, plein de questions, Philippe Monnet, il est gourmand. Et nous aussi, d'ailleurs, il y a Montagne. Alors, il y a plein de questions. Alors, réponse tout à l'heure de François Leprince. François Leprince, qui habite en Normandie, figurez-vous. Ah, ouais. Il n'a pas de lien avec Thomas, mais voici les coordonnées trouvées sur le net. Philippe Monnet, les délices d'Alpage, 74-110, Essert Roman. On attend l'adresse du site avec impatience. Elle sera posée tout à l'heure, François, dans un instant. Oui, il a fait des recherches pendant ce temps, c'est génial. Merci, ça. François. Alors, il y a plein de questions. Alors, Yvette Coquillard du Val d'Ost nous dit, mais je n'en aurai jamais en Val d'Ost. Philippe, vous dites quoi à Yvette?
Chiche, on commence quand? Yvette, Yvette, vous connaissez, moi je connais bien Philippe Monnet, c'est un battant, c'est un vrai de vrai, il y en a beaucoup qui nous le disent que c'est un vrai de vrai, on vous le promet, dans peu de temps, il y aura des choses vendues. Alors on fait un appel d'ailleurs à nos amis valdôtains, vous êtes très nombreux sur cette page, n'hésitez pas à le contacter, et tous ces bons produits, vous savez ce qu'on va en faire Philippe Monnet, on veut que la France entière puisse se régaler. On sera avec vous régulièrement sur la place du village, vous savez nous, on est comme vous, on aime les vrais de vrais, et je peux vous dire qu'on fera le nécessaire. Y a-t-il un lieu à Annemasse ou environ, nous dit Nicolas? Oui, vous avez sur Annemasse, vous allez pouvoir retrouver nos produits au Maître Boucher, nous en parlions tout à l'heure notamment. Et puis aussi au Carrefour. Très bon, le piment d'Espelette, nous dit Hélène, il y a beaucoup de messages. Bonjour à Isabelle qui nous regarde aussi. Bonjour, merci pour ces bons conseils, je vous souhaite une bonne journée. C'est très bon, bonjour du Luxembourg. Ernest Matucci, ajoutez-moi comme ami, ce sera fait. Yes, merci Philippe, nous dit Yvette, ce sera fait. Regardez les produits qui sont ici, vive les produits régionaux, Sarah Soquet. La place du village sera toujours avec celles et ceux qui font les produits. On rappelle ces produits fabriqués en Pays de Savoie. 99%, il y a le piment d'Espelette. Oui, oui. Regarde, c'est nos cousins montagnards. Oui, oui, tous nos produits, que ce soit la viande voilà, qui est en AOP, viande de montagne avec l'entreprise Butet hein, sur Thonon, mais également avec nos maraîchers locaux hein, qui nous font toute l'année des super produits, ainsi que les agriculteurs qui nous font du super fromage. Voilà, c'est vraiment tout un écosystème, hein, les délices d'alpage. Nous sommes 5, mais nous sommes nombreux parce que vous êtes tous autour de nous et voilà. Voilà qui est dit. Alors, plein de gens qui nous disent « La cuisine, c'est ma passion », nous dit Bertino. « Bon app », nous dit mon jumeau. « Retrouvons notre art culinaire. Vous défendez les valeurs, justement, les valeurs, ces valeurs qui sont importantes. La proximité, on l'a dit. La qualité aussi. Les petits agriculteurs qui font les belles choses. Et vous vous inscrivez là-dedans. Les délices d'alpage, on le rappelle, dans 600 magasins en Pays de Savoie. Bientôt sur le e-commerce. Bonjour du Morbihan. C'est votre philosophie, Philippe, et vous n'en démordrez pas. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est même une philosophie de cœur. Voilà qui est dit. Voilà. Écoutez la place, mettez-vous là, Philippe, on va vous montrer encore. Regardez ce personnage, Philippe Monnet. N'hésitez pas, voilà, il est le dernier patron de la dernière conserverie de montagne. Bonjour de Namur, depuis La Réunion, vous vous rendez compte, La Réunion. Bonjour de Lyon, capitale gastronomique par excellence. La qualité du produit, nous dit Hélène, elle a raison. Philippe Monnet, regardez, eh bien la place du village sera à ses côtés. Parce que les délices d'alpage, dernière conserverie de montagne, tout est fabriqué en pays de montagne. Allez, je vous rappelle, allez. Ça, c'est de la crème de potiron aux châtaignes. Ça, c'est de la coupe bûcheronne. Ça, c'est des dios aux lentilles. Tartiflette au reblochon. Ouh là là! Terrine au genépi. N'en parlons pas. Terrine de myrtille aux myrtilles. Terrine de Beaufort. Regardez, tiens, ça vous fait saluer encore une fois. Farcement savoyard. Guten Morgen, on nous dit. Ça veut dire bonjour. Ajoutez-moi, dit Sylvain, on va vous ajouter, rassurez-vous, terrine de campagne, et puis très bientôt, hein, c'est pas encore tout à fait sur le marché, rillettes pur porc à l'ail des ours, et puis on n'oublie pas les dios au vin blanc et la soupe d'ortie. Philippe Monnet, merci, un grand merci, bonjour de Dallas, il est 6h35 à Dallas, qu'est-ce qu'on dit aux Américains? Have a good day, and see you soon. Voilà, merci Philippe Monnet, merci miam miam, nous dit Jean-Claude, regardez Philippe. Un petit peu ce moment de bonheur qu'on a merci voulu partager Philippe. Avec vous, on le retrouvera Philippe Monnet, pourquoi? Parce que c'est le dernier producteur, on va dire, le dernier qui a une conserverie artisanale des produits de montagne, des bons produits comme on les aime, qui viennent à 100%, à 99% comme il a dit, des pays de montagne. C'est ça la Savoie, c'est le savoir-faire. Eh bien, merci beaucoup, bonjour de l'Isère, à bientôt, nous dit Vanessa. N'hésitez pas à partager cette page et puis on refera une petite pastille qu'on remettra bientôt pour résumer tout ça, comme ça vous l'aurez en résumé. Au nom des téléspectateurs, on vous dit un énorme merci. On ajoute que merci ceux qui peuvent vous aider, ceux qui veulent vous aider, le peuvent aussi. Oui, bah écoutez, tout le monde est le bienvenu. On a envie de faire partager nos produits au maximum, que chacun devienne un ambassadeur des délices d'alpage. Donc n'hésitez pas, on sera réactif à vos côtés pour qu'on puisse partager ces bons produits ensemble. Voilà, voilà. Super dur. Alors une question, merci une dernière question. Bertino dit le nom du condiment vert que je vois. Là, on dirait des feuilles de sapin. Le nom m'intéresse. Le condiment vert, alors, c'est peut-être bien les feuilles de sapin. Ça doit être, c'est de l'épicière en fait, hein, c'est ça. Hein. Voilà, on répondra bonjour, je suis au Népal. Ça me donne envie, nous dit Gérard. Bon appétit, nous dit Joël Bonaventure. Et puis le condiment vert, ah oui, c'est ça, peut-être. C'est l'ail des ours, hein, je pense, le condiment oui, vert. On a faim, merci, bon appétit à toutes et à tous. Merci Philippe Monnet, le délice des alpages. Mais nous, c'était un délice pour nous, un instant gourmand dans la place du village. Vous retrouverez bientôt des pastilles de Muriel qui nous accompagnent régulièrement. Hier soir, on a eu une tarte tatin. Et aujourd'hui, ben, on est passé aux produits de la conserverie artisanale, la dernière de la montagne, la dernière de France. Philippe Monnet, il est avec nous. Merci Philippe. Merci. Bon vent à vous, à très vite. Merci Philippe, merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup.